Bonjour à tous, une vidéo un samedi après-midi, 1er octobre, où il fait beau et où il y a du bruit. Donc si jamais eh bien, on se tape un petit peu de bruit autour de nous, eh bien, on n'arrêtera pas pour autant cette vidéo parce qu'on en a marre. Hein. Ça fait combien 5, 6 prises qu'on fait juste à cause des voisins, il y en a marre, on n'arrêtera pas cette fois-ci. Bonjour à toi, fan de 88 miles à l'heure, qui suit la chaîne YouTube, Nesblog, voilà, tout ça, Dailymotion. Une petite vidéo pour... quoi, le programme de cette année, on va voir ça, voilà, comme ça. Ça va se densifier, donc déjà ce qui ne change pas, c'est que contrairement à certaines rumeurs, nous n'allons pas arrêter les 80 miles à l'heure. Tu les as vues où ces rumeurs, toi? Ah bah si, je les ai vues genre, ils arrêtent, ils font plus de vidéos. C'est toi qui les as lancées. Et la pression, non, moi je suis pas un vilain troll, moi. Et donc du coup, nous on comptait arrêter effectivement, et les fans nous ont obligés à reprendre, et donc on a remonté nos studios, et donc on va reprendre très très bientôt, début octobre. En mieux en plus les studios. Bah en mieux, donc on va se focaliser par contre sur les jeux plutôt longs et ou originaux. Il y a une bonne raison à ça. Oui. Parce qu'il y a une autre évolution extrêmement importante, c'est que vous allez avoir droit maintenant à une émission hebdomadaire, mais non pas sur Dailymotion ou YouTube, mais sur jeuxvideo.com dans l'onglet chronique. C'est une émission qui s'appellera Speed Game, qui dure entre 5 minutes et un quart d'heure, qui vous présentera à la fois des Tool Assisted Speedrun et des speedruns classiques. Voilà, ce sera l'occasion de voir, découvrir, redécouvrir des jeux PC et d'autres, des jeux sur des nouvelles consoles. Ou des améliorations de TAS aussi. Voilà. Voilà, donc tout ça, ce sera très bientôt. Normalement, le premier épisode devrait être diffusé le 8 octobre. Voilà, et on fait un petit spoil. Hein. Allez, ce sera un Mario, histoire de vous intéresser un petit peu à la chose. Ensuite, eh bien, nous avons eu le grand honneur d'organiser un concours cet été hein, sur Nesblog, le grand concours de l'été, sur un jeu difficile. Ouais. Toi, tu l'as un petit peu essayé quand même. J'ai fait le premier niveau pour l'instant, mais c'est vrai qu'il est, il est rageant en fait. Il est vraiment rageant. Donc c'est Pugsley's Scavenger Hunt, un jeu Addams Family, très bien, très joli, mais très 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 dur. Et nous avons eu un immense plaisir de voir le monde sauvé hein, par un jeune homme qui s'appelle Axel et qui a donc terminé le jeu en 37 minutes. C'est un truc vraiment incroyable. Et d'une seule main surtout. Et d'une seule main, voilà, avec un pied pour faire les boutons, vraiment, vraiment incroyable. Qui va venir avec nous pour un épisode, bah pour le prochain épisode en fait, de 87 miles à l'heure, hein, ce sera plutôt un... Voilà, on a dit s'il y a du bruit, on s'en fout. Ce sera plutôt un épisode de speedrun classique. Il va venir avec nous vous commenter sa run parce qu'elle est vraiment incroyable. Et puis pour terminer, mais on tenait à vous dire merci. C'est grâce à vous, après ces 3 ans de travail, qu'on devient des professionnels. Hein. La level up. Un gros level up, on a gagné plus d'un en charisme, plus 3 en beauté. Non, on est peut-être. Tu penses qu'on est plus beau? Non. Ah merde, moi qui ai super. Bon, en tout cas, merci à vous, c'est vraiment génial, on est très contents. On ne se quitte pas et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission, un speed game, des 80 miles à l'heure, voilà, vous en aurez encore plus cette année.